Plus que ça, beaucoup plus que ça cette fois-ci. Alors on va s'installer dans quelques instants pour vous commenter le match. On va se diriger vers le terrain du camp des Loges pour ce match. Et donc il a provoqué cette action qui a ensuite amené à ce camp national. Même pour eux c'est bien, ça va leur donner une vraie prépa avec de la fraîcheur. Ils en ont besoin parce qu'ils ont beaucoup enchaîné ces dernières années. Messi, premier coup franc de la saison sur le haut du mur. Le ballon partait bien. Et il y a des grands dans l'équipe d'en face. Ils s'en sont... Un vrai match amical. Tout de suite, ça se sent. C'est pas... L'année dernière, on avait commencé par Le Mans, il me semble. C'était déjà un petit peu plus léger. Oui, ouais, c'était pas pareil. Bah, ça faisait plus match d'entraînement. Là, exactement. On est sur un match, comme vous dites, amical. Exactement. Parce qu'il n'y a pas d'enjeu, mais on joue. Exactement. Vraiment. Par la gauche, et puis utiliser les renversements de jeu, comme l'a fait Léo Messi, ça aussi. Il s'en sort bien. Très bonne saison avec Lens. Deux années de prêt qui ont vraiment servi à quelque chose. Oh, Messi, il est déçu parce qu'il aurait bien poussé son action un peu plus. Champion, ça sera un autre chapitre encore qu'on va déguster avec plaisir. Enfin, il y a tout. La faille. Ouais, une petite déviation à une touche. Messi, Kalimuendo en point d'appui. Messi, ouf. Messi, tous les matchs, y compris les matchs de préparation, les matchs amicaux. Ligue des Champions, Coupe de France, Ligue 1. Profondeur. En deux touches. Un quart d'heure de jeu, 0 à 0, le premier quart d'heure de notre saison. Qu'on rêve formidable jusqu'à tard dans le mois de juin. Le corner parisien s'est repoussé dans l'axe. Il y a une possibilité de frapper, le tirer. Pour conclure sur ce sujet de la Coupe du Monde, ça va changer un petit peu aussi d'avoir des joueurs qui vont arriver peut-être un peu. Et c'est pas si simple. Mais qui est ambitieuse, son ambition c'est de se sauver avant les barrages, évidemment, avec un nouveau coach Olivier Chouafny, donc, et avec des bonnes recrues, ça peut être pas mal. Mais on va dire c'est le début, mais je pense que quand ils vont accélérer. Ah, il faut sur Messi dans le dos là, c'est sûr. Non, peut y arriver. Vous en voulez toujours plus? Bah ouais, non mais on a un match amical de folie là, avec déjà un bon adversaire. Avec ce ballon, il y avait une volonté de déviation, c'est manqué. Pulsion pour aller prendre ce ballon de la tête défensivement. Oh, l'ouverture vers Kalimuendo, il est lancé, Arnaud Kalimuendo, sorti de Nicolas. Du bien. Puis éventuellement, 2-3 consignes, 2-3 petits ajustements, quelque chose comme ça, parce qu'on est vraiment sur une période de travail. Ensuite, on le voit, hein, Christophe Galtier là, avec ses adjoints en train d'expliquer à Paredes. Et que les soucis qu'il avait eu l'année d'avant, il en aurait plus trop. Et puis finalement, bon, physiquement, il y en a eu encore quelques-uns. Mais il a bien fini. Il a également, pour vous finir de vous présenter deux, trois choses sur lui, il a gagné la Youth League en 2018-2019 avec Porto. Donc c'est encore un ballon sur le côté. Dinaï Bimbe est passé, ça peut être pas mal. Dinaï Bimbe retrait. Messi, oh, il est accroché dans la surface. Penalty pour le Paris Saint-Germain. Il y a penalty. Hein. Bon, là, il n'y a même pas de... Mais c'est bien joué, il a Dinaï. Voilà, on va le revoir ici. Ah ben non, c'est que la faute. Ouais, premier but de la saison. Sergio Ramos face à le maître. Ah ben non, pas une grosse mine, mais mais comme il avait été très précis, il est bien tiré, un poteau rentrant, il ne pouvait pas mieux le placer. Bon, sur l'attitude générale, même s'il n'y a pas eu des tonnes d'occasions, c'est pas illogique. Hein, sur la maîtrise du ballon, non. Pas en train d'accélérer quand même. Ouais, oui, bon, c'est ce qu'on se disait. Hein. La petite pause, finalement, j'ai l'impression qu'elle a fait du bien. Allez, une tête peut-être, la tête de Sia. Petit gabarit. C'est pas mal comme référence. Ouais, c'est pas trop mal. C'est pas trop space dans les appels, dans le volume. En détail. Et donc peut-être ensemble à la Coupe du Monde. Bernardo Silva, c'est sûr. Vitinha. Parfois, vous pouvez distinguer quel thé de voir. Bah les joueurs parisiens. Pour voir ce match. Toute une liste de joueurs, notamment André Herrera, Ganagay qui sont sur le banc. Keylor Navas. Et là également, Wayne sur le côté là, donc juste boire un petit peu.